Aujourd'hui, nous allons faire la dictée des Lego. Ça sera une dictée de syllabes. Tu as besoin de ton cahier violet, de ton crayon et de ta gomme. Tout est prêt? N'oublie pas que tu peux mettre en pause quand tu le souhaites. Il va falloir bien m'écouter et regarder aussi les gestes que je fais. Pense aussi à jeter un coup d'œil aux différentes affiches. Nous allons faire une dictée sur le son que. Attention, il s'écrit de trois façons différentes. Avec la lettre C, comme dans canard, avec la lettre K, comme dans kimono, et avec un Q suivi d'un U, comme dans masque. Mets ton doigt sur la première ligne. Tu es prêt? Sur la première ligne, tu ne vas utiliser que le « que » de canard. Tu m'écris « co ». « co ». Tiret. Toujours avec le « que » de canard. Tu m'écris « cou ». Tu m'écris car, toujours avec le queue de canard, car. Tu peux faire pause quand tu veux et réécouter la dictée. Tu mets ton doigt sur la deuxième flèche. Attention, le premier utilise le que de kimono. Trouve bien la lettre, le que de kimono. Tu m'écris avec le cœur de kimono. Co. Tiret. Maintenant, avec le cœur de masque. Le cœur de masque. Tu m'écris que. Que. Maintenant, toujours avec le cœur de masque, tu m'écris qui? Qui? Et tu réécoutes la dictée. Passons à la correction. Attention, tu ne dois regarder cette partie de la vidéo que quand tu as montré ta dictée à un adulte. Tu es bien sûr? Alors, co avec la lettre O et un C. Cou avec un C et OU. Car comme dans canard. Co encore, mais cette fois avec la lettre K. Que. Qui. C'est tout!